Salut à tous. Bon, et ben voilà, encore du frelon. Mais là, on passe à la taille au-dessus quand même. Là, il fait un petit 30 cm celui-là. Donc voilà, regardez bien. Il est dans la petite niche. Voilà, donc la petite dame, sa porte d'entrée, sa fenêtre de cuisine, les deux fenêtres de chambre au-dessus. Et là, le nid. Et là, le nid. Donc on va aller l'y voir. On va aller les voir. Donc, je vais mettre une petite échelle de façon à ce qu'on puisse aller les voir. Et puis comme ça, vous serez au plus près d'eux. Hein ? On va y monter là-haut. On va y aller se balader. Bon, par contre, moi je vais fermer pour poser l'échelle parce que quand je me suis approché de terre pour voir comment il était fait, il commençait déjà à être taquin. Donc voilà. Hop. Allez, je vais aller poser l'échelle. Hop. Allez, on va aller mettre l'échelle en place. Faut graver l'eau. Mettre une vanne, crac. Et voilà. Bon, allez, zou. C'est parti. Je vous remets en place comme il faut. Et on va aller voir. Allez. On va leur faire un petit coup de près. On va voir s'ils vont être gentils. C'est ce qui m'étonnerait fort. Ils sont déjà bien excités. Là, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, regardez la taille de ce nid. Sympathique, hein. Voilà, alors là ça arrive de derrière, ça arrive de partout. Très sympathique, tenez. Je peux pas faire mieux, vous êtes en première place. Voilà. Un petit shoot. Et puis voilà. Alors des ouvrières encore pas très grosses pour la taille du nid. Mais bon, déjà beaucoup de monde. Voilà. Et voilà, ça a chuté. Et là, il y a du monde. Là, vous avez des copains autour de vous. Pas mal de monde qui tourne autour de vous. Ça y est, ça tourne, ça vironne. C'est parti. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ça s'est fait en douceur, ils n'ont pas tout compris. Voilà. Je crois que je dois en avoir un ou deux qui m'a déjà capté. Oh ! Vous n'y voyez plus rien. Voilà, je vous essuie un peu. J'en ai un ou deux qui a dû me capter parce que voilà. Ça arrive, ça y est. Claro. Là, c'est parti pour monter la guerre. Là-haut, ça... Ça y va. Oui, bien sûr, d'avoir été dans un endroit à peu près clos, j'ai quand même traité
au pire, elle prépare la permettrine car à 200 mètres d'ici, il y a une petite mare avec du poisson à l'intérieur avec pas mal de choses dedans. Donc, si on peut éviter de tout flinguer ce qu'il y a autour, ça peut être sympa. Donc voilà. Et voilà. Donc là, moi j'en ai certainement quelques-uns qui me tournent autour. J'en entends quelques-uns, je les vois pas forcément, mais je les entends me tourner autour. Ouais. Il y en a 2-3 qui cherchent un petit peu plus bas. Voilà. Beaucoup de monde. Hein. Et je vous dis, un nid. Là, on est quand même dans le ballon de foot. Hein. Là, on est dans le bon ballon de foot. Voilà. Venez, regardez. Celui-là, il a quelque chose dans la goule, là. Il vient le ramener à manger, lui. Donc, une forme pas tout à fait ronde. Je pense que c'est dû à l'emplacement qu'ils ont choisi dans cette petite niche, là, le long du mur. Je pense que c'est dû à ça, parce qu'ils peuvent pas trop s'élargir. Donc ils ont dû allonger un peu et voilà. Ils ont dû allonger un peu leur nid, mais sinon c'est sympathique quand même. Voilà. Tout le monde travaille. Il n'y a pas à dire, tout le monde travaille. Allez, pour moi c'est fini. Hop là, Alphonse qui vient de rentrer avec à manger. Lui là, il a mangé dans la boule. Tout ce qui rentre des champs là, ça a tout à manger ou des choses comme ça, et ça se demande ce que je fais devant avec la caméra. Voilà. L'avantage d'avoir shooté par l'entrée et de pas avoir mis de poudre à l'extérieur. Quand ils arrivent du champ, ils savent pas trop ce qui se passe. Bon, c'est pas tout, mais il y a du boulot. Alors je vous laisse, et puis ben à la prochaine vidéo. Allez, ciao.